On dirait... Oh! On dirait un petit obélisque en pierre! Oui, mademoiselle Fiotte, je vous l'avais dit. Un petit obélisque en pierre. Et là... Et comme c'est rigolo! Un arc de triomphe romain! Oui, mademoiselle Fiotte, c'est rigolo. Très rigolo. Et regardez-moi ça. 12 Jésus! Jeanne d'Arc! Et dans la dernière caisse, voyez! Oh, c'est comme deux petites colonnes! Oui, deux petites colonnes qui rappellent celle de la place des Quinconces à Bordeaux. Oh, ben c'est bizarre de nous envoyer ça. Ils auraient pu trouver quelque chose qui nous fasse oublier nos soucis. Hein. Mais pauvre triple buse abruti, charmante idiote de mademoiselle Fiotte. Et c'est le plus beau cadeau qu'on pouvait me faire. Une imitation de l'obélisque? Mais bien sûr. Parce que l'imitation de l'obélisque, elle est place de la Concorde, vous le savez bien. Mais alors? Et alors, ceci, c'est l'obélisque véritable, authentique, celui qui a été volé il y a 3 mois. Ben c'est drôle ça, moi je le voyais plus grand. Mais vous savez bien qu'on l'a réduit, bon sang! Oh, Jésus-Marie Joseph! Ah, ce Maurice Champeau a fait vraiment du bon travail. Comment l'autre ne s'est-il pas aperçu qu'il lui manquait 4 caisses? Ils en ont peut-être mis 4 autres à la place. Mais qu'est-ce qu'ils auraient mis dedans pour faire le poids? Oh, oh, mais oui, je vois, je comprends. Je sais ce qu'ils y ont mis. Quoi donc, monsieur Fouvreau? Eux, mademoiselle Fiotte, eux. Des œufs? Ça en fait des douzaines. Non, pas des œufs. Eux, eux-mêmes. Dans les caisses? Mais bien sûr, ils sont 4. Ouais. À présent, ils sont à bord du Carmen Tessier. Génial, génial, absolument génial. Allez voir. Ouais. On peut entrer? Vous avez de bien curieuses manières, jeune homme. Oh, mais il est culotté. Alors, j'ai vu la porte fermée, alors je me suis permis de l'ouvrir. Bah, moi, je vais vous traîner dehors par les oreilles. Oh non, ne faites pas ça, les oreilles, c'est mon instrument de travail. Je suis journaliste, Max Blaffard de Paris Canaille. Je suis partout, j'écoute tout, j'écris tout ce que j'entends et j'invente ce que j'entends pas. Monsieur Blaffard, je n'aime pas qu'on fracture la porte de ma vie privée. Mais vous n'avez pas de vie privée, monsieur Fouvreau. Vous êtes un homme public. Vous avez une vie publique. Votre maison est une maison publique. Et si vous avez une fille, c'est une... Je n'ai pas de fille. Hein? Je croyais que mademoiselle... C'est ma secrétaire, mademoiselle Fiotte. Oh, elle est charmante. Qu'est-ce que vous faites ce soir à 9h? J'ai du pinot des Charentes et des biscuits secs. Oh, monsieur! Mademoiselle Fiotte n'aime que les biscuits mous. Et puis en voilà assez. Qu'est-ce que vous me voulez? Des réponses précises à des questions vagues. Eh bien, avant tout, je projette de vous foutre dehors un grand coup de pied au cul. 750 000. Quoi? Je dis 750 000. Mon journal tire à 750 000 exemplaires. C'est bon. Asseyez-vous. Ah, il y a des caisses sur toutes les chaises. Ah, mettez-vous sur les genoux de ma secrétaire. Oh, chouette! On va se régaler. Oh, monsieur Blaffard. Oh, appelle-moi Max. Je t'appellerai Marilyn. Oh, ce qu'il est osé! Suffit, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà, vol des principaux monuments de France par un mystérieux pickpocket. Signé Furax. Si vous voulez. Les retrouver coûte que coûte. Vous avez bon espoir? Mieux que désespoir. Signé Fouvreau. C'est pour vous inspirer que vous vous êtes fait livrer ces petites maquettes de l'obélisque, de l'arc de triomphe d'Orange, enfin tout ça. Là. Faites votre métier, monsieur Blaffard, et rien de plus. Ok, ok, compris. Vous permettez que j'appelle mon photographe? Absolument pas! Trop tard! Appelez Max! Oui, Mick! Voilà Mick Flash! Pas croyable. Le meilleur photographe après Léonard de Vinci. Alors qu'est-ce qu'on prend? Et on prend donc un flash des petits bibelots qui sont sur la table, là. Bah, l'obélisque, là, et puis le reste. Oui, oui, oui. Ah non, pas ça, pas ça. Pourquoi pas? Ça ferait mignon. Allez, vas-y, Mick. Ah, voilà, chef. Allez, fichons le camp en vitesse. Merci, Fouvreau. À la voyure. Bonsoir, poupée. Et rêve de moi. Ouh! Oh, il m'a embrassé sur la bouche. Il m'a embrassé sur la bouche. On m'avait pas fait ça depuis l'exposition coloniale. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider financièrement.